Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Game Making. Et nous avons écouté vos conseils pour la suite de Mario et Peach en Égypte, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus de commentaires. On a lu tous vos commentaires et on va rectifier quelques petits trucs, comme par exemple finir d'explorer le Sphinx, tuer quelques vaches et tuer des creepers. Voilà, et tuer des creepers qui se baladent et des zombies qui se baladent par là. Et voilà, donc faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus si ça vous plaît et à nous suivre, à s'abonner à la chaîne. Oula. Voilà. Oh, j'ai eu 4 poudres! Et donc vous nous avez dit, alors... Déjà, pour le gazon, il faut rajouter pour des gazon, torches on va pour rajouter que ça aille plus des vite. Pour ça... Ah, ça y est, c'est descendu. Wouhou ! Donc ça va arriver là, donc voilà. Donc faut pas être pressé. Hein. J'ai des torches. On va mettre des torches un peu tout le long pour pouvoir... voilà. Ouais, il faut les mettre à hauteur, non ? Ah bon ? Je sais pas. Je sais pas. On va tuer des vaches parce qu'il y a trop de vaches dans oui, ce monde. Oui, vous nous avez dit qu'il y avait trop de vaches. Oh. Ah bah tiens, voilà, tu as été choisi pour être éliminé. Il y en a une qui est partie, tu peux la tuer. Alors, combien de vaches? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vaches, dont une qui s'est barrée. Il y a une vache sur la pyramide. Donc, on va en garder 4. Faut mettre à cuire. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Désolé les vaches. Et il en reste 4. On va en laisser 4, comme ça on peut faire 2 veaux. Ça va plus vite pour la reproduction. Vas-y. J'ai eu 12 bœufs crus. Pas mal. Il y a une vache qui s'est cassée, je sais pas où elle est. Elle a disparu des radars. Des radars de surveillance. Bah, allez là-bas. Tu crois que tu peux t'échapper? Il y a un truc qui me tape. C'est moi qui t'ai élevé, c'est le cactus. Tu es morte. Meurs. Ouais, du bœuf. Donc oui, malheureusement, on est obligé d'éliminer certaines vaches. Il nous faut de la nourriture, nous sommes en survie. Et c'est ça. Et puis voilà, tout simplement. Donc tout là. Tout simplement. On a des lingots de fer. Je vais mettre là. J'en mets tous les deux. Et puis je verrai bien ce que ça donne. Et normalement, j'avais pas mal de charbon que j'ai posé par là. 64 de charbon. Voilà, c'est pas mal. Je vais en poser dans les fours parce qu'il n'y a qu'un seul four et du charbon. Hein? Ouais. Faut pas tout mettre, hein. J'en ai mis la moitié. Bon, je vais déjà mettre jusqu'à là et puis on verra bien ce que ça donne. Ok? Ouais. Sinon, vous nous avez dit, sur la tête du sphinx, il y a une trappe en bois. Dans laquelle il y aurait un casque de diamant. Un casque de diamant, les gens. Excellent. Et la nuit, il y aurait aussi une grotte cachée. Donc on va aller vérifier ça. Donc on va déjà... Tiens, je vais prendre c'est du cuir, s'il te plaît, là. Et dans les vaches. Dans les vaches? Ouais. Sauf si t'as du blé pour les attirer, pour les nourrir. Oui. T'as dû récupérer. T'as combien de cuir du coup? 2, c'est tout. T'as que 2 de cuir. J'ai tué 4 vaches et on a 5 vaches et on a que 2 de cuir. Oui. Et 2 de cuir? C'est nul. Le foin, je l'avais mis là. Normalement, je l'avais rangé. Bon, mais là, maintenant, je l'avais rangé ou j'avais tout utilisé pour le pain. Ah, t'as tout utilisé pour le pain, quasiment tout. Ouais, je crois que j'ai quasiment tout utilisé. Ah si, 19 là, il y en a 19. Non, mais il faut aussi mettre des... Des graines. Il faut mettre des torches au niveau de notre oasis pour éviter qu'il y a des mobs qui spawnent. Oui, aussi. Et pour que le blé pousse plus vite, parce qu'on a du blé. T'as mais mis la viande à manger? La viande à cuire? Ouais, j'ai mangé la viande. Hop, il en reste une quatrième. Voilà, normalement c'est bon. Est-ce que c'est bon? Y'a bien deux veaux ou pas? J'en vois qu'un. C'est bon, t'avais oublié d'en avoir une. Ah cool. Voilà, comme ça on a déjà 6 vaches. On va aller voir au niveau du sphinx. Ouais. Donc on écoute tous vos conseils, hein. On essaye de, bien évidemment. De les retenir. Alors peut-être qu'on loupe certains commentaires, hein. Il y en a beaucoup. Donc, ouais. Ah tiens, un creeper encore, cool, j'aime bien les creepers. Je vais récupérer la poudre. Ils sont insupportables les creepers. Bah quand ils sont près chez nous, ouais. On parle à toi. Surtout il y en a déjà eu un là. D'accord, ok, super. D'accord, ok. D'accord, ok, super. Ah oh, il y a un truc, ah non c'est... Oh bah... Bonjour petit lapin. Genre, pourquoi ça détruit ça? Et donc normalement si on monte sur le sphinx. Mais là faut monter là sur le sphinx en fait. Oh bah c'est pareil, je suis montée sur la tête du sphinx. On l'avait pas vu? Si on l'a vu. Si on était jusque dans la tête mais... Mince. On a dû louper un truc. On a dû louper un truc. On a dû louper un truc. Non, il y a une trappe. On avait activé tous les interrupteurs. Ouais. Ah, mais oui.
On l'avait pas. Oui, attends. Là? Ça, ça c'est une... Attends. Ah oui. C'est une trappe. C'est une trappe. Et là, il y a... Qu'est-ce que t'en sais que c'est une trappe? Un casque en diable. Oh, le casque. Et une boussole. Oh la vache, je veux le casque. Bah prends-le, je prends le pain. J'ai plus de place. Bah tu retiens un truc. Mais le pierre, la pierre. Mais Cimer, les gens, quand tu commences la skin, t'es sûr que ça... Enfin, t'as plein de monde que c'est une trappe. Bah oui. Alors, est-ce que ça rend bien ou pas le petit casque en diamant? On aurait pu avoir une panoplie en diamant intégrale grâce au... Monte ta tête. Oh, t'es horrible. Ouais, on ne voit plus. Ça fait peur, hein. Ouais. Direct, t'es une cagoule. Bah, j'ai une cagoule. Donc et voilà, la, c'est et la troisième pyramide, c'est la petite, là? Bah, je pense, ouais. Bon, bah, on a trouvé le coffre, voilà. Comme ça, c'est pas oublié. On l'a vu, les gens, plus besoin de le mettre en commentaire. Voilà. C'est fait. Ce qui est fait est fait. Ce qui devait être fait est fait. Est fait. Voilà. Et nous allons faire ce qui devra être fait, mais qui n'a pas été fait. Alors, soit on... Ah, c'est bon. Soit on va voir la pyramide, la troisième, là. Bah, mais il faut attendre la nuit. Soit on crée de la TNT. Pourquoi on crée de la TNT? Parce que je crois que j'ai assez. Bah vas-y, crée de la TNT. TNT. Et donc la dernière fois, nous avions trouvé la porte du Nether dans un endroit énorme, magnifique, ma chérie. J'ai eu peur. TNT. C'est où la TNT? TNT, 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 torche, 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 torche. TNT, c'est du sable, hein. J'ai posé le sable. Tiens, j'en ai du sable, moi. D'ailleurs, je veux qu'on finisse notre... T'as beaucoup de sable ou pas? J'ai du sable. Je sais pas, on n'a pas beaucoup de sable. Pourquoi on n'a pas beaucoup de sable? On devrait avoir beaucoup de sable. Non. On vit dans un endroit... Eh si, sable 21. Voilà. Comme ça, moi, je peux créer du grès. C'est où la TNT? Nature, objet, objet. Objet, non? Pour créer du grès... Construction. Poli. J'ai combien de grès poli, là? J'ai pas assez de... J'ai 8. Ah, faut que je me recrée une pioche. Fabricable. Pelle en or, je m'en fous de la pelle en or, moi. Diorite poli ou en or peint, torche. Ah, torche, tiens. Torche, bah, je vais en faire pas mal. Tout fabriquer. X, voilà. La torche, 64. Est-ce que j'avais pas laissé du fer par là? Où est le fer? J'aurais bien juste voulu voir du... Du fer, 14. Sable de feu. Mais pourquoi je peux... Pourquoi on peut pas fabriquer que ça? Quoi? Mais on peut rien fabriquer en fait, quasiment. Pourquoi? Je sais pas. Bah on peut fabriquer ce qu'il y a à fabriquer. Ah, attends, bon, on va aller voir ça. Ouais. Pioche en pierre, c'est pourri. Pioche en fer et... Je vais la laisser là. Donc je pose des torches ici pour éviter que les mobs viennent. Ouais. Alors... Ça évitera pas grand chose, mais bon. On va aller sur la pierre, sur pas sur la... Ah bah oui, là! C'est éclairé ici! Non, ça c'est moi. Ah le oui. Le mec, il y a une torche devant. Kim ne va pas bien. Oh là! Attends, je viens de passer là à l'instant et il y a deux mobs qu'on... Dépêche-toi. Fais le tour du sphinx. Il faut aller ah, voir. Attends, j'ai looté un truc. Il n'y a pas de lumière le sphinx là. Si? En hauteur? C'est toi là qui cours? Oui. Ouais. Bah il n'y a pas de lumière alors peut-être que ça c'était... c'était sur les pyramides, oui? Ouais, ça c'était sur les pyramides, mais du coup... Mais sur le sphinx, ça me paraît bizarre. Bah il y a juste l'entrée qu'on a faite. Ouais. Et c'est tout? Au-dessus? Tu vas voir au-dessus? Je vais voir la troisième pyramide. Voir la petite, ce qu'elle nous dit. Vas-y. Hop, 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 hop. C'était sur le dos du sphinx. Et la petite non plus, hein, je crois qu'on n'avait pas vu. Ah là! À côté du sphinx peut-être. Ah, ah peut-être à côté du sphinx. Genre là. Là tu vois, il y a un truc. Bah oui, il y a de la lumière. Je pense attends, que c'est je vais juste voir la petite grotte. Reste où tu es. Donc là-bas, on a vu l'entrée. Ouais, là-bas, on a déjà fait ça. Ça a déjà fait. Wouh. Et effectivement, je pense que c'est ça. Ok. Fais attention parce qu'il y a des mobs partout. Ok, let's go, les gens. C'est parti. Go, 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 go.
Et donc là moi j'en vois pas, hein, sur cette pyramide. C'est pareil, ce sera en hauteur? Bah non, parce qu'on peut pas y aller. Non, je pense qu'il n'y en a pas, je pense que c'est autre chose. C'est une... Tu penses que c'est autre chose? Tayo, poussez-vous les noobs. Pousse-toi toi. Ah, il y a un chameau. Bonjour chameau. Bah faut nous dire pour la troisième pyramide comment on repère. Bah on va aller voir ce que t'as vu. Donc là-bas il y a quelque chose, mais c'est un petit peu haut, donc on ira plus tard. Moi je serais d'avis de dormir. Mais t'as regardé où c'était? Eh, ça va bien la pyramide, hein, de loin. Ça a mis de la pierre tout le long, là, c'est une blague. Bah oui, mais comme ça au moins c'est éclairé. Mais il fallait mettre à hauteur, tu m'as dit. Bah je pense. Ah yes, ça a comblé là. Les pyramides, ça fait bien. Bah ah, oui, notre pyramide. Oui, la pyramide. Ah oui, ça rend bien, ouais. On va jouer. Ça rend soupe le billet. Le lit est trop loin. Oui, c'est vrai qu'il est très loin. Énormément loin. Énormément loin. J'arrive, c'est parti. Et donc après, bah, on va aller visiter la grotte du sphinx, alors. Si c'est oui, ça que vous nous dites. Bah, faut quand même améliorer un peu notre maison. Faudrait. Bah, faudrait loot du sable. Loot du sable. Bon, viens, faudrait... on va voir quand même le d'abord. Vite. Attends, de quoi trouver quoi? Mais ce qu'on a vu là. Attends, il y a un creeper, moi je tue les creepers parce que je crois que j'ai pas assez en fait. T'as pas assez de quoi? Pour la TNT? Est-ce que ça avance un petit peu? J'ai 8, oui. J'en ai 8, 8 de poudre. 8 c'est assez ou pas? Est-ce que ça avance un petit peu là? Bah ça a comblé celui du milieu. Mais je sais pas si justement faudrait pas que je parte sur un truc plus large pour que ça aille plus vite peut-être. Tu vois plus de... Tu penses? Ah j'ai une boussole! Oui. Bah il faut que je la remette dans la... Dans notre coffre. D'accord. Ah j'ai une boussole! Oh casque de maille! J'ai droppé ça sur un... Ah ouais! Mais maille c'est moins bien! C'est du fer je crois. Bah non, c'est pas du fer, c'est de la maille. Hop. Ah bah c'est ce qu'on a sur la miniature, regarde. Je me souvenais plus. Sur la miniature de Mario Peach en Égypte, nous avons ces casques là. Ah oui. Mais ils sont pas trop mal, mais bon. Bon allez, montre-moi où c'est que t'as vu là. Non mais c'est pas possible, t'as vu le nombre de maps qu'il y a. Ouais. C'est du désert, donc c'est normal, on peut pas les... ils peuvent pas mourir. Bah c'est pas grave, ça nous fait de l'XP. Ouais. Ouais, on a mort d'XP, hein, 12 d'XP, je crois que c'est la première fois qu'on a aussi vite de l'XP. Et c'est donc ouais. C'était par là. C'est en hauteur, c'est un trou qui est en hauteur, là. Donc on va creuser dans la roche. Creuser dans la roche. Là, sur moi. Si tu me suis pas, ça va être un peu compliqué. Hop, hop. Donc faut nous dire si c'est bien ça que vous parliez. Hein. Dont vous parliez. C'est bien ça que vous parliez. Oui, bah c'est bien ça que vous parliez. Hein. J'ai ce que je veux. Non, interdit par là. Et où sa grotte là? Par là-bas. Par là-bas. Elle était à hauteur du sphinx, donc elle est par là. Elle a été éclairée la nuit. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un truc. Elle est là. Là. Aha! 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 Trouvé! Trouvé, donc il y a du charbon. Du charbon, c'est bon à savoir parce que c'est à côté de chez nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte de si incroyable? C'est nul? Bah, c'est nul. Faut faire le tour. Bah c'est juste une grotte. Bah c'est juste une grotte. On va voir c'est plus haut. Il y en a une plus haut. Bah, on a pris le bon chemin. Pourquoi il serait éclairé? C'est juste une grotte en fait. Bah ouais, c'est une sorte de passage secret, non? Ouais. Peut-être que les gens l'ont vu et il y en a qui ont dit allez voir. Ouais, c'est peut-être possible. On va peut-être louper quelque chose. Hein. Je pense pas. En plus, elle est trop en hauteur pour qu'il y ait des minerais intéressants en plus. En fait, là, il y a juste une sortie comme ça, mais c'est tout. C'est juste pour avoir une vue sur le sphinx. Bah, non, mais c'est peut-être pour dire qu'il faudra escalader. Donc ça, on verra ça plus tard. Voilà, on a visité la grotte, mais on n'a rien trouvé. Donc, on passe notre chemin. Nous allons chercher autre chose. Ouais. Non, c'est pas par l'écurie. Creuse à côté. Là. Non, mais c'est pas grave. Ouais, mais là, tout est cassé. Bon, c'est pas grave. Allez, tuons-nous. C'est pas grave, voilà. Tuons-nous. Donc voilà. C'est bon. Donc il y avait rien. Voilà, tout d'abord ça. On a juste. Ah si, on a trouvé quand même un casque en diamant.
Casque en diamant, c'est trop. Du coup, la troisième pyramide, bah, je sais pas comment là. À moins que tout en haut de la pyramide, ça se trouve. Moi, je pense que tout en haut de la pyramide, il y a un truc. Hein, pour que ce soit doré, ça me paraît très bizarre qu'il n'y ait rien dedans. Oui, mais en haut de la petite, là. Oui, oui, oui. Non, même tout, toutes les pyramides, tu vas pas le dire. Tu penses ? On va vérifier. On va vérifier. Ça m'intrigue. T'as pris la viande ? Non. Non. Mais j'ai du pain. Ah, bah, il y a un archer qui crame. Ah ! Il stresse. Oh ! Une main. Mais on est déjà monté tout en haut de celle-là. Mais je sais, mais je veux voir ce qu'il loot. Ouais, des flèches. Cool. On va aller sur la petite, c'est. On va creuser la petite, dans la petite. Elle m'intrigue, la petite. Bon, on va voir la petite, là. On n'a rien vu. On creuse la petite. On va creuser la petite. Allez, hop. Qui m'a tapé. Pardon. Oh. Oh. Hein? Bah, c'est un peu spawn n'importe comment, non? Allez, je vous m'envoie. On va rentrer par de part. Bonjour petit lapin, mange! Voilà. Ah, tu l'as eu? Oui. Il s'est pas enfui? Non, c'était un lapin apprivoisé. Donc là, il y a un côté de la pyramide où on devrait pouvoir rentrer. Donc c'est, on va essayer ici pour voir. Bonjour. Y'a quoi? C'est quoi ça? C'est des pots. C'est trop bizarre. Donc, en fait, y'a rien dans cette pyramide. Non, y'a plein de matière avec de l'eau. Ouais. Il y a de la des vestiges pierre. En fait. Donc là, il n'y a rien en fait. Et on aurait pu rentrer de partout. Et... Ah, de tout en haut. Ah oui, voilà, de tout en on haut. On voyait tout en haut qu'il y avait quelque chose, mais. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Ah bah, il y a du gazon. Ouais. Genre là, il y a du gazon alors que moi, j'arrive pas à faire pousser, c'est ça, hein? Et c'est quoi ça? Bah, c'est des pots. C'est trop bizarre. Bah, il n'y a rien. Bah, il n'y a rien. On visite le néant là. Alors, est-ce qu'on va commencer à regarder quelque chose est-ce qu'on va visiter autre chose? Je sais pas. Tu sais pas? Ça me stresse à chaque fois. Ben, tu veux déjà poser ce qu'on a? Genre moi, la poudre à canon, il faudrait que je la pose. Ouais. Ouais, ouais. On pose et on va explorer. Ok. Après, il y a le nether, on a dit qu'on irait voir un tour dans le nether. Ouais, moi, allez, je propose quand même qu'on reste sur l'idée qu'on avait dit et qu'on allait faire un tour dans le nether pour revoir au moins... Commence alors. C'est pas dit qu'on y aille réellement maintenant, mais on va aller voir. Ok. On va rentrer dedans. On va fabriquer. On va faire un bunker autour de la porte. Attends, parce qu'en fait j'ai pas de bois. Est-ce que j'ai du bois? Ça aurait été cool de construire déjà un atelier et tout là-bas. Et alors? Si c'est bon, j'ai des planches d'acacia. D'accord. Un coffre, un atelier et tout. Ok. Et sinon, vous allez voter pour que aussi on fasse un. Qu'est-ce que tu fais? On fasse du gazon. Moi j'ai rien de toute façon, j'ai... En mode créatif. Oui, vous avez été nombreux à dire, vous nous autorisez à qu'est-ce faire... Qu'est-ce que tu fais? Bah je pose mes trucs. Tu vas où toi? Bah moi je vais par là-bas. Et c'est où? Bah c'est là. C'est dans le temple? Non, c'est pas là. C'est pas dans ce temple-là? Non. C'est où? À gauche. Là. Ah oui, c'est dans ce temple-là. Bah c'est pareil. Et je vais prendre la viande. Ah oui. Peut-être un peu trop, je vais peut-être en poser quelques-unes. Non? Oui. Donc là c'était l'entrée de l'Ender, de l'End, la porte de l'End, et là j'attends Guillaume pour aller dans le Nether. Oh là là, j'ai hâte de voir le Nether moi. Je pose le casque en fer, je pose le casque en maille, et je pense que ce sera pas mal. Faut y aller tranquille, faut faire direct le bunker. D'or, lingot d'or, moi j'ai rien. Pelle en fer, on s'en fiche, pantalon en fer, on s'en fiche. Allez, pêche-toi. Attends, je vais juste récupérer... Ah oui, t'as plus de vie. De la vie. Mais c'est bon, voilà. T'as passé. Non, non, j'étais pas à fond. Et de la pierre taillée, forcément, ouais, parce qu'on moi aussi, en a j'en ai besoin. Plein, je vais en prendre, parce qu'on va construire un bunker. On va retourner à la porte des damnés. Des damnés. Des damnés. C'est écrit damnés, c'est ça. Allez. Et on va traverser... les enfers à bord du bateau des qui enfers. Mène aux enfers. J'arrive, je suis prêt. Es-tu prête? Avec mon masque de mort, trop laid. Ouais, c'est trop laid. Hein. Bah, dans mon inventaire, il est stylé, mais en vrai, il est moche. Ouais, ils ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient, je pense. Ok, monsieur, est-ce qu'elle se souvient absolument plus de chemin? Moi, j'aurais dit à droite. Oui, t'aurais dit à droite, bah va à droite si tu veux.
Ah oui, c'est vrai, on a mis une petite part. Allez, va à droite. Pourquoi tu me suis? La porte des damnés. La porte des damnés. Il y a des gens qui ont dit qu'il y avait pas mal de minerais quand même dans la mine là. La mine là? Ouais. Oui, oui. On ira faire un tour. Ouais. Oui, mais pour l'instant, on va dans le nez. Pour l'instant, on va dans le nez. En plus, j'ai des lampes. Moi aussi, j'en ai pas. Épique. Et comme ça, on va récupérer de la luminite pour faire ça partout. Oui. Non, de la glowstone. La glowstone. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Je crois que c'est la plus belle porte de l'End que j'ai vue de ma vie. De Nether. Du Nether. Ouais, c'est quand même très classe. Hein. Très, très, très classe. Incroyablement classe. Comme a dit Kim, ce sera peut-être la plus belle porte de du Nether jamais créée. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? 3, non, pas, hein. 2, 1, go. Go! Prépare-toi à prendre la pierre. On va pouvoir construire pour pas se faire exploser la porte par un ghast! Sinon, on est mort parce qu'on n'a pas de briquet. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, on est dans l'eau. On est dans l'eau. Oh, oh la vache! Attends. Voilà! Quoi? Il y a un truc qui m'a agressé. Aide-moi, 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 aide-moi! Il m'agresse! Mais attaque lui derrière toi. Mais je vois rien. C'est les petits, tout pourri. Oh non, il se spawn dans l'eau. Moi j'ai peur dans l'eau. Il n'y en a pas spawn dans l'eau, la porte est au-dessus. Et si tu veux, je vais faire un truc là. Oui, fais un truc là. Voilà. Donc on va casser leur truc là. Oh! Passe à travers la porte. Et vite fait. Allez hop! Pourquoi il y a un coffre? Je sais pas. C'est une aventure, je pense. Oh, c'est une aventure. C'est énorme. Ah, c'est des bateaux. Attends, mais c'est des bateaux. On passe le Styx. C'est des bateaux. Non, mais c'est une aventure. Ouais, on passe le bateau et tout. Normal, quoi. C'est une blague. Donc, c'est pas... Petite porte. C'est pas vraiment un Ender, en fait. Non, il y a de l'eau. Non, il y a pas d'eau dans le Nether. Normalement, il y a pas d'eau. Enfin, dans le Nether, tu dis Nether, veux... arrête de dire Ender. Oui, mais je me trompe à chaque fois. Dans le Nether, normalement, il n'y a pas d'eau, c'est impossible. Et là, il y a de la pierre partout, avec du sable et tout. Mais c'est du gazon. Pourquoi il y a du gazon? Non, mais attends, mais il y a du gazon là. Mais oui, on dirait pas le Nether. C'est trop bizarre. On dirait une aventure. Il n'y a pas de ghast. Il n'y a pas de monstre. Moi, ça me fait peur, ça me met encore moins confiance. Bon, on va regarder quand même. Prenons un bateau. On peut aller à deux dans un bateau? Je sais pas. On va prendre chacun notre bateau. Bateau en acacia. J'ai pas confiance. Oh, viens avec moi. Viens avec moi. Tu peux venir ou pas? Oui. Oh, c'est trop bien. J'en ai pris un autre au cas où. Bah, le serpent démon, quoi, 7. Enfin, les serpents, enfin, je sais pas. Il y a du blaze. Il y a du blaze. Salut, je me casse. La 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 la. On peut aller deux sur un bateau, c'est trop bien. Et puis, le bateau, il est trop stylé, regarde. Oh là là, mon vieux. Regarde ton bateau. Ouais, ouais, il est trop beau. Le Mario bateau. Ah, moi aussi, je crois que j'ai un arc. Il se tire dessus. Moi, je suis tapé. T'es idiot ou quoi? Il s'est fait tuer par un. Ah, il s'est fait tuer? Il y a un truc qui tire. Là. Tout le temps. Ça là? Il y a un truc qui tire tout le temps. Il y en a deux qui tirent tout le temps, je pense qu'on a déclenché un piège et celle l'a tué. C'est bon, je l'ai tué. Mais il y a un truc qui tire tout le temps. Je veux des fils ou des trucs comme ça. Oh, c'est une porte. En forme de scarabée. C'est quoi que j'ai tué? Un truc. Oh là là là, ça fait peur.
Non mais c'est énorme, c'est quoi cette porte? Oh la vache. Oh c'est des bateaux. Mais c'est pas de laser ça. C'est une blague, mais c'est quoi? C'est quoi ce qu'il y a là-bas? C'est à manger? Ça bug quand je suis derrière toi. C'est une culture. C'est une culture. Non mais. Dans le Nether, on est d'accord les gens? Normalement dans le Nether t'as. Bon désolé, ça bug un peu mon écran étant donné que je suis derrière Guillaume. Ah oui. Oh la vache. Non mais. C'est pas possible. C'est immense ce qu'ils ont fait. Mais c'est quoi ces portes? Oh. T'es tombé d'une cascade. Ouais, on peut pas revenir en arrière du coup. C'est une blague. Non mais on est mort là. Attends, je pense qu'on peut pas revenir en arrière. En vrai, moi j'ai un bateau. Hein. Mais c'est bon. Quand même. Non mais c'est énorme ce qu'ils ont créé quoi, c'est un truc de malade. Vas-y tranquille. Hein. Tue-le pas parce que ça peut être un truc très agressif. Genre c'est un zombie cochon, un truc comme ça? Ouais. Ouais, non, ça, un marché. Ça peut être un zombie cochon. Il nous attaque pas quand on est proche. Oh c'est la balance du jugement. Bah jugement dernier quoi, enfin en gros, est-ce que tu mérites d'aller en enfer ou au paradis pour ceux qui croient ça quoi. Non mais c'est magnifique. Et du coup t'as 7, le. C'est 7, c'est ça je crois. Je le dieu plus. Des enfers égyptiens. Je sais plus. Dieu de la mort, quoi. T'es sûr que c'est 7? Oh la vache. Il y a un établi. C'est pas un établi, ça. C'est une caisse de diamants. Mais les gens, on va mourir. Hein. J'ai envie de rentrer. Moi aussi, j'ai envie de rentrer à la maison. J'ai jamais eu autant envie de rentrer dans un jeu vidéo. S'il vous plaît, je peux rentrer, j'en ai marre. J'ai pas envie de jouer. C'est trop stressant. Voilà, oh là on va rester bloqué. Oh la vache. Ou alors c'est juste une aventure comme ça? Là, il faut qu'on rentre. Oui, il y a une autre porte. Le bateau est bloqué. Appuie sur A. Ça a été changé ça aussi. Avant c'était galère de sortir d'un bateau. Et il n'y a plus d'eau, regarde. Il n'y a plus d'eau. Ah, non mais arrête, c'est trop stressant. Bonjour petit. Il y a pas de guest. Fais gaffe à ça. Oui c'est un zombie. Je sais pas ce que c'est. Il nous attaque. Non, il nous attaque. Ah c'est peut-être les gros, ceux qui font super mal. Peut-être ça. Non mais c'est un serpent. En fait c'est des serpents partout. Oh là il y a un truc qui me tape. Il y a un truc qui me tape. C'est lui là-bas. C'est lui là-bas. C'est lui là. Pardon, c'est bon. Non, c'est moi, c'est... Non, je t'ai tapé aussi. Il y en a un autre là-bas. C'est que des archers. T'as assez de... Non, j'ai plus rien. Bah, faut y aller. Je m'occupe de lui. Et allez. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon, t'as pas perdu du tout de vie. Quasiment pas. Oh, attends, on peut rentrer dans la bouche du... Non. 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 Non, 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 non. Oh, mais ça spawn tout le temps, fais gaffe. Oh, ils sont trop beaux. Les squelettes là, ils sont ouf. Ouais. Non, mais lui là-bas, lui. Lui, fais gaffe parce que lui, il fait très très mal celui qui one-shot, je pense. Ça, il te rappelle ou pas? Oui. Oh, un coffre. Un coffre. Non. Non. Encore un bateau, c'est une blague, ça reprend. Oh, mais c'est un truc de malade. J'y vais pas, hein. Fais gaffe à ça. On peut mettre de la lumière pour qu'il spawn pas? Bah, y a de la lumière déjà, hein. Là-dedans, on peut rentrer? Tu peux rentrer partout. Mais y'a rien, je pense. Ah oui. Ah si, attends, y a plein de coffres! C'est des coffres, c'est sûr que c'est. Fais gaffe. Mais passe pas par là! Tu veux que je passe par où? Bah, au milieu, tu vois bien qu'il y a un truc, tranquille. Ah non, bah, c'est les. Mais c'est des serpents, les verrues! Les verrues du Nether. Ah, oh, c'est des serpents, t'as vu ou pas? C'est énorme. C'est des serpents? Ouais. T'as vu? Ouais. Ah, c'est énorme. En fait, il y a un étage, il y a un étage. Ouais, mais je pense que c'est que ça. Tu penses? Non, mais ils ont créé les gens. Ils ont créé un univers en plus. C'est énorme. Ouais, mais c'est trop stressant parce qu'il y a plein de monstres.
J'ai que 4 miches de pain. Je l'ai mis dans le boîte. Fais gaffe. Je regarde s'il n'y a pas d'autre. Pourquoi je dois toujours une épée sur lui là? Les épées en pierre, c'est nul, mais bon. Bon bah on continue. Hein. Tu me suis? Non. Oh, un sphinx. Bon. Bouge, c'est la lave, c'est la lave, c'est la lave. Bouge, 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 bouge. Ah, l'eau est bouillante. Mais qu'est-ce qu'il fout dans la lave en plus, celui-là? L'eau est bouillante. Comment il peut avoir de l'eau bouillante? C'est nouveau ça, nous on connaissait pas ça. Ah par contre là-bas c'est un zombie pigman je pense. L'autre, il nous attaque pas. Fais gaffe, fais gaffe. Ah non c'est pas du c'est de l'eau, c'est du magma. Ah oui. Mais il faut aller aux zombies ou... Faut aller aux sphinx. Où est-ce qu'on va? Viens par là, on va déjà voir ce qu'il y a par là. Mais les gens c'est un truc de malade. Tu peux t'arrêter là? Je suis stressée là, vraiment. De ouf, Guenon. Ah bah tiens, c'est une porte. C'est encore une porte, il y a une porte là-bas. Une porte du Nether? Non, une autre porte, un gros portail. D'accord, on va reprendre un bateau. Je vais reprendre un bateau. Je vais poser l'épée en pierre parce que ça me sert à rien. Je suis désolé. Hein. J'ai 40 000 épées en pierre. J'aime pas ça. Ouais, j'aime présent, pas ça. Le stress est présent chez Kim. Kim, Kim, Kim. Kim, 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 Kim. Ça faisait peur en plus le bateau qui brûlait là. Mm. J'ai pas trop envie d'aller dans Sphinx. Moi non plus. Parce que j'ai envie de savoir est-ce qu'on peut revenir au début par là ou on est obligé de refaire tout le tour en arrière. Fais gaffe, pas aller dans l'eau, ça fera des dégâts. Et puis il y a des monstres dans l'eau. Ça dépend où tu vas dans l'eau. Il y a des endroits où il n'y a pas de. Voilà. Faut éviter le magma ou faut pas. Ah, il y a un autre sphinx. Donc je pense que les sphinx c'est décoratif. Non. Il y a un autre sphinx. C'est énorme. C'est énormissime le jeu. Je sais pas. Je vais rentrer à la maison. Donc là c'est des verrues du Nether encore. Même si ça se trouve on fait un tour où il y a une autre porte. J'ai envie de savoir s'il y a une autre porte. C'est surtout ça. Je vais manger un truc moi. Voilà. Moi aussi. Ah! Il n'y a plus de blocs de magma, j'ai l'impression. Il y a un bateau. C'est le bateau pour revenir, mais le bateau il est tout seul cette fois-ci. Tu viens avec moi? Oui. Bon. Je rentre à la maison. Moi aussi. C'est exceptionnel. Oh, c'est incroyable. Non mais c'est énorme. Je vais rentrer à la maison. Ça fait peur. Non mais ça fait vraiment peur. Hein. Et encore on n'a pas la... Oh là c'est une blague. Ça fait encore plus peur que l'Ender. Que le Nether d'habitude. On y va, on y va pas? Non, 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 non. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Bon bah go. On est où? Je suis allé par là. T'es où toi? J'arrive, je remonte. Là il y a des... Là, je suis là. Oui, bah, je suis là, je suis là. C'est pour remonter, c'est une blague. C'est-à-dire que là, on va devoir remonter. Par contre, il y a notre bateau qui est là. Oui, mais monte, monte. Non, faut pas remonter. Mais pourquoi faut pas remonter? Il y a un coffre. C'est le bateau. Bon, bah, viens. T'es où? Mais là, va dans le bateau, ouais. Mais va dans le bateau et prends-le. Je tombe. Oui, oui, c'est de l'eau. Vas-y, vas-y, tombe. J'espère juste qu'il va pas falloir tout remonter pour la porte, quoi. Bah, si, il y a qu'une porte. Vas-y, viens vers moi. Tourne. Tourne, 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 tourne. Tourne. Mais non, mais dans l'autre sens. Là, voilà, viens avec moi. STP. Tu conduis? Non. Bon, bah sors alors. Vas-y. Comment on sort d'ici? C'est pas possible, mais une autre porte. On s'en bouffe. Là-haut, 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 c'est pas une porte? Non, c'est la leçon. Oh, c'est un serpent qui est enchaîné. J'ai l'impression d'être dans un truc, un jeu d'horreur. C'est ouf. Et encore, on n'a pas la musique, c'est trop la musique qui est flippante. Hein. Mais est-ce et puis si on se fait tuer, on perd tout, quoi. Ouais, ouais, à vrai dire, je m'en fiche parce que... Oh, c'est stylé. Parce qu'on découvre un mort de trucs, en fait. Ouais.
Mais c'est incroyable. Et là, on revient au... C'est les animaux de 7, quoi. S-E-T-H. Pour ceux qui se demandent comment ça s'écrit. Non, mais... Il n'y a pas tout ça à explorer, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop... Non, mais c'est incroyable. On fait un tour, les gens, j'aimerais bien savoir s'il y a une fin, en fait, sur tout ça. Pour se dire, plus tard, on y va. Mais là, c'est un monde en plus. C'est même pas... C'est même pas le Nether, c'est... C'est un monde. C'est un monde en plus. En plus, quoi. Genre, mais ça finit jamais. C'est impossible. Mais attends, il y a bien une fin. On n'est pas revenu à l'endroit? On est revenu au début? Bah non, on est tombé. Dans un trou. Mais tu vois bien que c'était là où... Mais on fait en marche arrière. Comment on peut faire en marche arrière en soi? Oula. Non, c'est pas le début, ça? Non. Sors. Fais gaffe, je vais te faire attaquer. C'est bon. C'est bon. Mais... Je veux rentrer à la maison! Je vois rien. J'ai pas envie d'y aller. Non plus. Mais on peut pas revenir tout au début, là. On est presque à la fin. Comment tu sais qu'on est à la fin? Bah, y a bien une fin. Et tue-le, lui. J'ai pas confiance. Il avance doucement. C'est des bonhommes. Oh, c'est un tombeau. Attends-moi. Il me suit ou pas? Il m'a suivi. Il est aussi vite que moi. Ah, il t'a enlevé quasiment toute ta vie, c'est ça. Eux, ils font super mal. Attends, tu peux pas, t'es empoisonné. Mais non, il m'a pas envoyé du... Si, t'as les cœurs noirs, t'es en train de perdre ta vie. Ah oui, oh, mais c'est bon. C'est bon, j'ai tout mon pain. Mais non, mais c'est... Les gens, on doit aller où, là? On doit faire quoi? On doit aller où? C'est beaucoup trop grand. Et puis on va mourir, là, enfin, c'est pas possible. Il y a tout. Et en plus, je vois rien par terre, ils ont choisi le meilleur sol possible. Je veux rentrer à la maison. Ouais, on rentre ou on va voir dans le bateau? Mais on sait pas comment rentrer. Non mais c'est exceptionnel comme... C'est énorme, franchement c'est énorme. C'est le meilleur pack, best pack. Mais qui est sorti de tout Minecraft, que ce soit nordique. Pour ceux qui demandent, ça coûte 4,99€. Avec les skins. Avec les skins, avec tout le pack, tout le mashup. Voilà. Non, faut que je remonte. Est-ce que je peux remonter? J'ai un bateau en main dans mon... Moi aussi j'en ai un autre, mais... Non, tu peux pas. Attends, je vais le prendre. Voilà. Ouais, c'est pas possible, on va faire tout le sens inverse, là. On va peut-être s'arrêter en mi-chemin juste pour voir un truc. Viens, suis-moi. Bip, bip, bip. Tu veux pas t'arrêter là et puis se renseigner sur internet ou que vous nous disiez? Mais non, on va remonter et on reviendra. Remonter quoi? Mais on va pas tout remonter, bah, on peut pas, si. On est tombé dans un trou. Mais non, tu vois bien les escaliers blancs sur les côtés, c'est pour remonter. Ah bon? C'est énorme, c'est un monde. C'est même pas un nether, c'est un monde. Il y a du sable, il y a des... Enfin, il y a tout, quoi. C'est un truc de malade. Là, on aurait pu aller voir là. Non. Parce que là, juste pour voir s'il y a quelque chose dans les bâtiments, je suis sceptique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a rien, en fait. Non, non. Vous nous dites. Dites-nous. Moi, je veux pas aller. On veut pas mourir. On veut pas mourir. Ça se gardait là. On a intérêt à ressortir. Au moins, je pense qu'ils ont enlevé les ghasts. Oui. Mais en même temps, ça aurait pété le jeu. On aurait explosé toutes les deux secondes. Et on aurait partout sur la map. Mais les blazes, il y en a pas. Ah, tu vois, regarde, là, regarde. Yeah. Ouais, on se tire. J'ai l'impression qu'il y a des flèches qui passent. Je sais pas quoi. Oui, ouais, moi aussi, il y a des flèches qui passent. J'ai des fourmis dans mon pied droit, ça fait très mal. Voilà. Ouais, mais c'est stressant. Tu vas remonter où là? Là, voilà. Oh, mais il y a des monstres devant. Mais non, mais c'est pourri. Go. Je vais quand même prendre un autre bateau. Prends-moi. Oula. Eh, ça va toi là? Moi je t'ai abandonné. Hein. Attends, j'ai perdu mon épée. Mais elle a peut-être cassé. T'es monté où? Bah, je suis monté des escaliers. Mais il y en a deux. Bah, celui du milieu. Non, il y en avait deux. Bon. Bah, je sais pas, celui qui était en face de moi. Logiquement, les gens devraient pouvoir remonter par là, c'est des escaliers blancs. Attends, moi je veux juste une épée parce que j'ai plus d'épée. C'est pas grave, je vais prendre une épée comme ça. Ah oui, c'est là le trou. Tu vois, le trou est là, donc moi je pense que si on fait le tour comme ça, on peut remonter. Ouais. Tout en haut. Quand même. Voilà. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable. T'es d'accord avec moi? Non, c'est magnifique. C'est incroyable. Donc on va essayer de pas perdre les bateaux, parce que ça sera toujours utile. Non mais là, c'est quoi là? Tu vas aller voir là-dedans? Non. Il a pas l'air d'avoir de monstres.
Non, si, il y a un monstre dans l'eau. T'es sûr, hein? Oui. Faut nous dire dans les commentaires. Ouais, quel temple il faut aller visiter? Lesquels sont les quelle plus rentables? Il faut les visiter, ouais. Est-ce qu'il y a des trucs partout ou c'est juste décoratif? On s'attendait, alors, mais pas du tout à ça. Ce qui est bien avec ce truc, c'est qu'on est absolument pas spoilé, comme c'est quelque chose que peu de gens ont fait, même. Il n'y a pas forcément trop de hype sur ce genre de choses. Ah, ah c'est non. Vrai, j'ai oublié. J'arrive pas à sortir. Faut aller sur du sable. J'arrive pas à sortir. C'est une blague. Mais c'est. Oh. Pourquoi ça saute pas? Mais pourquoi il saute? Pourquoi je saute pas? Pourquoi? Je suis dans le truc. Je suis dans le bateau. Mais. Non, t'es pas dans le bateau. T'es... Mais pourquoi on peut pas sauter? Mais c'est. Pourquoi je peux pas sauter? C'est idiot. Mais on est bloqué. Non. Mais... Non, je vais mourir. Mais pourquoi je suis bloqué? Je suis bloqué. Mais je suis bloqué. Allô? Je suis bloqué. Casse le magma. Mais y'a un délire des gens là. Ouais, non, c'est un truc de fou, on est bloqué. On était complètement bloqué. Oh, t'as survécu. Mais les gens quoi? Enfin, c'est quoi le délire du jeu là? Je suis où? Je veux bien le magma, c'est marrant, mais ça nous bloque quoi, complètement en fait. Bah, de toute façon, moi j'ai vais rien. Mais à part mon expérience. Bah, si ton. Bah, non, mais y'a un bug là, les gens, mais complet ouais. Quoi. Ah, pourtant, j'ai cassé. Moi j'ai réussi à casser pour retrouver un bloc où y'avait rien, mais. Mais c'est quoi le délire? Genre, ça nous bloque, mais genre littéralement. Bon, j'ai récupéré des blocs de magma, hein. Mais bon. Je vais jeter des trucs pas intéressants. Essaye de récupérer juste mon armure au moins. Ah ouais. Au moins, je suis dans la maison. T'enfonces pas dans le magma, hein. Mais en plus, ça fait un dégât, c'est tout pourri, quoi, le magma, tu vois, c'est genre... Bah oui, je voyais ça, je me voyais mourir... Mais c'est délire, quoi. T'as récupéré quoi? Ah, si, t'as récupéré mon home et mon plastron. Fais gaffe, tu te fais tuer par quelque chose, là. Ah, l'air. Ah oui. Bon, attends. Bah, c'est pas grave, on en a plein du fer, et du fer, ça se trouve facile. Non mais, oui, le fer, t'as rien de ouf. Bah non, j'avais rien, j'avais bah juste si, le des bateau, épées. Ça aurait été bien, je vais pas remonter à pied quoi. Ah oui, j'avais juste le bateau, ouais. Mais tu vas vite, que si tu vas dans sous l'eau. Fais juste attention de pas te faire non tuer. Mais les gens, c'est délire là. Enfin, ouais. Alors peut-être que c'est normal, mais... Bah je me suis fait comme si c'était des sabots. Mais genre, on pouvait rien faire, on pouvait pas sauter. Ouais. Donc il aurait fallu... Bah j'ai, ce bah, que j'ai, fait. Ouais, j'ai creusé. Ouais, toi t'as creusé, j'aurais dû faire ça, mais en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai cassé le sable. T'as pas eu le réflexe quoi. Non. J'ai juste cassé le sable. De toute façon, là, il. Bah, oh là là, il y a des bateaux. Le délire. T'as récupéré quoi. Deux de. Ah, mais non, trois. T'as autre chose aussi, là. Tu as les jambières, le plastron. Oh, mais... t'as un blaze. Bah, pars. Cours. Oh, c'est une blague. C'est une blague, là. Tu vas mourir. Je suis mort. Bah oui. Cours. Mais c'est quoi le délire? Non mais c'est énorme les c'est gens. C'est une blague. Non mais c'est un truc c'est de un spawn malade. D'un coup. Genre on est passé à l'allée, il y avait rien. Et genre je suis tout seul alors du coup ça spawn. Non mais c'est un truc de malade, la map nous en veut tellement quoi. Tu peux rien faire. Mais par contre c'est magnifique. C'est ouf, mais c'est... Mais faut nous dire ce que ça nous apporte en fait les orbes, parce que là même on a même pas trouvé de coffre, on a rien en fait. On a perdu un casque en diamant. De toute façon oui on mais s'en on fout, a eu gratos. Ouais. Ah, ça avance. Moi je sors plus, je rentre. Non mais c'est immense et on sait pas à quoi on sait ça pas sert, en fait, quoi. Là franchement on sait pas parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout mais il y a même pas un seul coffre qui pourrait te dire parce que normalement dans le Nether tu visites le fort il y a au moins de temps en temps il y a au moins ouais, des coffres. Ouais et puis là des verrues on en a trouvé. Ouais. Donc faut nous dire à quoi ça sert le Nether si c'est vraiment utile de le faire. Et on est encore Mario, on a encore tout perdu. Non mais là on a vraiment tout perdu. Et ouais super. Non, parce qu'on a posé les diamants avant. Heureusement qu'on a ça. On a posé la poudre, on a posé du fer. Là, je sais qu'il y a du fer ici, là. Ouais, il y a 35 de fer. Fer. Du coup, on va pouvoir refaire nos armures. On va aller piocher un petit peu. On va aller récupérer de quoi faire. Ouais. Bah, on va aller dans la mine avant la porte du Nether. Tiens, attends, je vais faire on ira ça. On ira faire ça. Tu peux faire... Normalement, tu peux faire un check. Un casque en fer. Deux casques en fer. Deux plastrons. Deux jambières. Et pour l'instant, je peux faire que ça. Ouais. Tiens. Oh, c'est déjà pas mal. Ah, j'étais pas obligé de faire le casque, je suis bête. Ouais, et en plus, on peut pas faire de pioche du coup. Bah, si, j'ai de quoi faire une pioche. Bah, non, mais il y a peut-être. Attends, mais il y en a peut-être. Attends. Non. Casque en fer, casque en maille.
Boussole. Ah, pioche en fer. Il y en a une et ah. je peux en faire une. Ah, je l'avais laissé avant de partir. Bien joué. Ben voilà, on va pouvoir recommencer encore voilà, une fois. Ouais. Donc on ira dans la prochaine vidéo. Incroyable ce DLC, les gens. Ah ouais, magnifique. C'est incroyable. Enfin, magnifique. C'est 5 euros, mais t'as des heures de jeu, quoi. C'est clair. Donc, faut nous dire dans les commentaires, c'était quoi la grotte que vous aviez vue sur le Sphinx, la chose que vous avez vue sur la troisième pyramide. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans le Nether? Est-ce qu'il fallait aller jusqu'au bout comme on allait avec les armées? Il fallait trouver un coffre ou ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Donc, faut nous dire tout ça dans les commentaires. Faut pas c'est un truc de malade. Deux pouces bleus de commentaires et le Nether, c'est un truc de ouf. À bientôt dans une prochaine vidéo de Game Kim. Allez, salut.